Salut YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais participer à questions pour un Gaulmont. Le principe est simple, des questions, des réponses. À chaque fois que je réponds mal, je serai puni, j'aurai une punition, je serai tout simplement tasé avec ce collier électrique que j'ai autour du cou. Le présentateur télé aura une télécommande et va m'infliger la punition à chaque fois. J'espère que le concept va vous plaire et que la vidéo également. Je vous laisse, des poutous les mecs, ça c'est pas bon, ça tu jettes. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bon, il est où le plateau télé là? Bonjour, bonjour, merci, 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 merci. Notre candidat champion pour le... Au secours. Alors, quelle est votre motivation de venir dans l'émission champion Gaulmont? Question. Gaulmont, il connaît ma passion l'émission. Moi, voilà. C'est le pognon, c'est le fric, c'est la quicheta, tout simplement. La quiche. Je crois que c'est bon pour la présentation. On va passer directement aux questions, mesdames et messieurs. Alors là, il me faut la musique qui veut devenir millionnaire, là. Alors, première question pour notre Gaulmont. Êtes-vous prêt, monsieur Rocco? Toujours prêt, moi, toujours prêt. Alors, c'est une facile, hein. C'est... Réponse C. Non, 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 non. Où est ma maquilleuse et ma coiffeuse? Et pourquoi il y a un chien là dans l'image tout d'un coup? Quelle est la capitale de la Suède? Oslo, Copenhague, Stockholm ou Helsinki? Oh merde, attends, parce que... Je ne répéterai pas. J'ai regardé, comment ça s'appelle là, le Casa del Papel. Suède, c'est ça la capitale? Non, Suède n'est pas la capitale de la Suède, monsieur. Non, non, c'est Oslo, Oslo. Malheureusement, la réponse était Stockholm. Quel roi était surnommé le roi soleil? Louis XIV, Louis XV, Louis XIII ou Philippe le Bel? Louis XIII! Non! C'était Louis XIV, le roi soleil. Petite anecdote, le roi soleil noir, parce que c'était un pantin des jésuites. Désolé, hein, je... Normalement, c'est une question facile. De quel écrivain la comédie humaine est-elle la grande œuvre? Alfred de Vigny, Émile Zola, Victor Hugo ou Honoré de Balzac? Dis-moi tout. Émile Zola. Non, non. Maintenant, je veux te voir souffrir. C'est pas mal. Continuons. À quel animal l'adjectif hippique se rapporte-t-il? Cache. Les chevaux. Oui! Que signifie l'adjectif volubile? Qui parle beaucoup, qui parle peu, qui est agressif et qui est gros et gras? C'est pas un adjectif, ça c'est un Pokémon, monsieur. Vous vous êtes trompé. Ah oui, non, attendez. Non, non, c'est bien ça. Je vous explique ma réflexion. Volubile, c'est un mot qui impose beaucoup. Impose beaucoup, qui est gros, imposant, donc je dirais réponse D, gros et gras. Non! Il fallait étudier l'étymologie. Vous aurez compris que dans le mot volubile, il y a volu. Comme volume! Parle fort! Non, c'était la réponse A, qui parle beaucoup! C'est vraiment nul à chier! Qui a composé l'Aude à la joie, l'hymne de l'Union Européenne? Wagner? Quoi? Beethoven? Haydn? Ou Mozart? Quoi, on a une musique pour l'Union Européenne? Oui, l'Aude à la joie! Vas-y, Kenta, lance! Joker, il va être pas, s'il te plaît! Mais on me fout, mets la réponse en dessous, moi, si je vois pas! Je crois que Beethoven et Mozart, ils étaient morts à l'Union Européenne. Ça ne veut rien dire. Beethoven. Oui, bravo. J'ai ramené ma cam, elle est... Oui. Moi, je vais aller faire une petite pause pipi et je reviens tout de suite. Je coupe l'antenne, c'était Julien, je te perce. Merci, au revoir. Wouhou! Alors, est-ce que la plus... Ah, mon micro. Alors, le Gaulmont, t'es prêt? Ah, t'es là. Ouais. Le ver de terre avale de la terre... Pour se nourrir, aérer le sol, avancer, faire l'amour. Wouh! Aérer le sol? Non! Ah non, il mange comment le ver de terre? C'est pour manger? Bah oui, à tête de nœud! Wouh! Ouah, t'as pris le même truc que moi! Prochaine question, il n'y a que trois réponses. Dans quel pays sont fabriqués les chapeaux de Panama? En France, Paname. Non, l'Équateur.
Sérieux? C'était une blague! Ouh, attends, j'enlève mes pompes là parce que... Attends, j'ai trop chaud là, j'ai des bouffées de chaleur. Waouh! Dans quel jeu télévisé peut-on choisir le thème mystère lors du 4 à la suite? Attention, question piège. Comment ça piège? Bon. Question pour un champion! Oui! Oui! Dans quel pays d'Afrique? Pays d'Afrique? Austral se trouve le désert côtier du Namib. On est bien ici, hein? Égypte! Mais non! Non, non! Le désert côtier du Namib! La Namibie! C'était facile hein, quand même. Allez, avouez, avouez, Namib. Question finale. Comment se nomme l'écuyer de Godefroy de Montmirail dans le film Les Visiteurs? Putain, c'est tatata la fripouille. Je l'ai regardé plein de fois quand j'étais petit en plus. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Jacques, ça fait fripouille. Attends, j'ai pu compter. Oui, Jacouille la fripouille. Oui. Yes. Ah, j'ai gagné. Pourquoi tu me tasses, enculé? J'ai gagné. Oh, wow, wow, oh putain, oh putain. J'ai des cendres de partout. Ha ha ha!